les terriens, c'est Télien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car aujourd'hui on est sur un jeu qui date quand même de 2004, un vieux jeu. Aujourd'hui on est sur Roller Coaster Tycoon 3 et aujourd'hui on va créer notre parc, on va s'amuser, on va se marrer réellement dans cette nouvelle série, voilà, sur ma chaîne. Voilà. Alors juste avant de commencer la série, j'aimerais juste parler de la série Garry's Mod et de la série The Crew, voilà. Alors Gmod ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va très vite arriver. Mais voilà, The Crew, c'est pas sûr que ça arrive, voilà. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Bon, commençons notre aventure. Nous sommes sur l'édition Platinum de Roller Coaster. Voilà. Qui contient l'extension délire aquatique et d'extraction sauvage. Voilà. Alors c'est parti, voilà les différents aspects du jeu, voilà le mode dictaticiel si vous ne savez pas jouer au jeu, voilà le mode carrière que je ne vais pas jouer, voilà le mode bac à sable qu'on va jouer, c'est un mode où on a argent illimité, où on est tranquille, on n'a plus de problème d'argent, plus de problème, voilà on peut construire tant qu'on veut, faire ce qu'on veut, un grand parc, tout ça, et les scénarios, voilà c'est des scénarios, genre c'est des missions... genre par exemple sur Planet Coaster il y en a d'étouffé, genre faire un grand 8 avec 5% de tête à l'envers, voilà, je vois l'image, voilà, des trucs comme ça. Bon, partons direct en mode bac à sable, on va lancer une nouvelle partie, c'est parti. Voilà, petite ellipse, le temps que ça se lance. Et re tout le monde, on est sur le jeu, voilà. Voilà, on est sur notre map. Voilà. Voilà. Je vais juste me rapprocher parce que... alors, musique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la couper? Musique de fond. Fond sonore sans musique, voilà. C'est un petit peu mieux. Voilà, pour vous faire voir. Alors, nous avons toute cette map-là, là. Toute la map ici présente. Voilà, qui est quand même assez grande. Voilà. Alors ici, nous avons notre entrée de parc. Voilà, nous voyons qu'il y a des gens qui commencent à arriver dans notre parc, même s'il n'y a rien du tout. Voilà. Nous avons le comment on appelle ça? Je ne sais même plus son nom. Alors, regardez. C'est bah, celui qui évalue les inspecteurs. Voilà, l'inspecteur du parc. Voilà. Nous avons l'entrée et bien sûr notre entrée de parc, voilà. Alors dans notre entrée de parc on a plein de choses, voilà. Je vais pas vous l'expliquer tout de suite, je pense que je ferai des tutos même sur le jeu peut-être. Voilà, on va juste renommer notre parc, on va l'appeler... Bah pour l'instant, je vais l'appeler Alien Land, mais ensuite je vais vous demander de choisir un nom, voilà n'importe quel nom. Pas de nom déjà pris, genre Fistiland, par exemple, ou quoi d'autre. Disneyland, Futuroscope, etc. Des noms réellement pas pris. Voilà, on va fermer le parc. Voilà, comme ça on va être plus tranquille pour commencer. Voilà. Alors pour commencer, voilà, on va juste détruire tout ça. Hop là. Détruire tous ces petits trucs. Maintenant, on a un parc totalement vide et sans souci. Voilà, il est tout à fait propre. On va maintenant s'occuper de l'allée. Vous avez aussi remarqué qu'il y a plusieurs interfaces. Je vais juste vous l'expliquer vite fait. Vous avez le plan du parc. C'est-à-dire que, par exemple, attendez, je vais faire voir, je vais placer des chemins. Genre, bon, voilà, des chemins moches. J'en place plein. Ah. On les verra ensuite sur le plan. Vous les voyez. Hein ? Ici, nous avons... Voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Les poubelles. Alors ça, c'est si vous voulez... Désolé. Si vous voulez supprimer juste un objet, par exemple, voilà. Je sélectionne ça, c'est un objet. Et... ça, c'est si vous voulez supprimer... Bah, ça... Si vous voulez supprimer une zone, voilà, une zone d'objet. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil terraformage. Alors, ça, je vais pas
me le faire tout de suite parce que ça c'est relou et j'aime pas. Mais en gros, c'est pour lisser le terrain, peindre le terrain, voilà, mettre de l'eau, monter le terrain, voilà. C'est pour modifier le terrain, voilà. Ici, nous avons les chemins. Nous avons différents chemins. Voilà, ce chemin-là, plein de chemins. Voilà. Et ici, les files d'attente. Voilà, les files d'attente des attractions. La standard, qu'on peut customiser, vous verrez ça après. Voilà. Je vais pas perdre 3 heures sur la présentation. Ensuite, ici, nous avons tout le décor, arbres, clôtures, barrières, tout ce qui est mur, c'est-à-dire tout ce qui est bâtisse, etc. Tout ce qui est banc, poubelle, trucs, voilà. Panneaux, sièges, lampes, tout ça, lampadaire. Tout ce qui est, on va dire, animation. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est juste un mode. Hein. Parce que vous l'avez remarqué, l'image de la miniature, c'est Space Mountain, mais on fera pas Space Mountain parce que j'ai des petits problèmes de bugs. Bah, j'ai des bugs avec. Voilà, ici, c'est quoi ici? Surface de terrain. Je pense que c'est pour faire popper des blocs et tout. Ici, c'est les panneaux. Alors, vous pouvez mettre des images, genre... voilà. Ici, c'est pour... je sais pas trop. Je crois que c'est pour importer des structures. Et là, c'est les feux d'artifice. C'est pareil, vous pouvez importer des feux d'artifice et tout. Voilà. Ici, c'est toutes les boutiques. Boutique souvenir. Voilà, boutique souvenir ici. Boutique de boissons ici. Boutique de manger ici. Voilà. Ici, on a toutes les attractions. Tout ce qui est zoo, enclos, acheter des animaux. Les piscines. Voilà. On ferme ça. Apporter des modèles d'attractions de version antérieure de Roller Coaster Tycoon. Alors, en gros, ça je sais pas, mais genre vous avez une attraction que vous aviez dans Roller Coaster Tycoon 2, vous pouvez la réimporter, voilà. Ça c'est les attractions un petit peu genre attractions enfant un peu, c'est ça, oui. Enfant ou attractions lentes comme Train Fantôme et tout. Voilà, ça c'est attractions à eau. Ça c'est les attractions un petit peu par exemple moi je vais prendre le principe du pal parce que je suis pas très loin. C'est les attractions par exemple qui vous emmènent un peu bah, qui vous font visiter le parc entre guillemets. Au pal on a le train, il y a le bat. Alors ça je suis pas sûr pour les connaisseurs qui sont déjà allés à Disneyland, mais il y a un bateau à Disneyland qui longe tout Reverse Mountain. Oui, Reverse Mountain c'est bien ça. Voilà, ascenseur, des trains, des monorails, plein de choses. Voilà, train safari, tout. Même le petit train des fois qu'on trouve en vacances aussi, je remarque. Ça, c'est les attractions déjà préfaites, par exemple les grandes roues, tout ça. Voilà. Non, je voulais pas poser une grande roue. Merci. Voilà, ça c'est les attractions calmes, ça c'est les attractions aquatiques, c'est des attractions qu'on peut créer et aussi par exemple à la place de les créer. Attendez, je vais vous faire voir ça, peut-être qu'il n'y en avait pas là. Je sais plus comment on fait. Voilà, bah si, si. Par exemple, l'aquarium c'est une attraction. Voilà, par exemple. Attraction calme, attraction moyenne et attraction forte, genre on a le lancement aérien, c'est un truc de fou ce truc. Et là on a toutes les attractions. Ah non. C'est là, voilà, là on a des attractions encore, voilà. Et là on a toutes les attractions un peu truc, et vous, bah, un peu extrême, et vous pouvez importer, genre vous n'avez pas envie de construire, et ben vous importez. Voilà, ouais, je vais essayer d'importer. Voilà. Alors c'est un petit peu bugué. Voilà. Genre ça. Moi je ne vais pas importer. Et voilà. Bon, commençons notre aventure sur Alienland. Pour l'instant. Alors, on va déjà créer des chemins de type comme ça, je les aime pas mal, ou à moins qu'on fasse une grande route qui longe tout le parc. Je sais pas encore. Je sais pas encore, je vais voir. Bah, je pense en fait qu'on va faire pour l'instant une grande route qui va longer le parc en trois. Voilà. Bah, ça va être une grande route, hein, comme on le voit. Et sur les côtés, on va faire des mondes. Un petit peu à la Disneyland, justement, voilà. À Disneyland, il y a Reverse Mountain.
Adventureland, Fantasyland et Discoveryland, voilà. Alors par exemple sur le côté là on va faire plutôt un coin, je sais pas moi, un coin un petit peu plus... Par exemple je sais pas moi, voyons voir ce qu'on a en thème, un petit coin western, non, un petit coin horreur, ça fait pas de mal mais au début, et c'est, je le vois plus vers la fin un petit peu, voilà. Pourquoi pas un peu sur le thème pirate, aventure, Atlantide, un petit peu haut, un petit peu thème haut là, je vois bien un petit thème haut ici là. Même si j'ai pas trop fait de parc aquatique. Ou au pire, au début on va faire genre juste pas trop de thème en fait. On va faire un roller coaster, voilà, je vous l'avoue parce que j'adore en faire. On va faire le premier roller coaster. Voilà. On va le faire en bois. Non, on va le faire en bois. On va faire un petit côté un petit peu Fantasyland. Moi, je vous propose un petit peu extrême, mais à la Fantasyland. Alors, j'avais déjà testé des trucs. Moi, je vous propose qu'on fasse ça. J'ai jamais trop testé. Voilà. On va tester, les gens. Faut tester. On va faire des choses. Moi, c'est ce que je vous propose. Je vois bien un petit coin avec des grandes roues et tout. Ça peut être sympa. Voilà, on va le mettre là. On va mettre 5, un petit peu plus, voilà. Et on va mettre des crémaillères et monter. On va le mettre en test. Parce que vous pouvez mettre en test les choses. Voilà. Hein. C'est un petit peu comme du Planet Coaster. Hein. C'est l'origine du jeu même. Voilà. On va bien le faire monter encore un petit peu, peut-être. Voilà, encore un peu de plat, on met encore une crémaillère. Alors, est-ce qu'on a moyen de le faire? Alors, on n'a pas moyen. Ah si, on a moyen. Ah, yes, ça j'aime bien. Je voudrais juste voir. Je crois qu'on a moyen de faire un petit truc, voilà. Et je sais plus comment on fait pour booster la crémaillère, je vous l'avoue. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite descente des familles. On va enlever la crémaillère, là, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Normal, voilà, on va descendre bien. Voilà, pas trop haut, là, on se met droit. On tourne par là. On fait un grand virage. On revient droit en mode droit. Si c'est possible. Voilà. Ça va pas être trop une attraction à sensation forte. Voilà. On va. Puisqu'il n'y a pas trop de looping, il n'y a pas trop de choses. C'est un petit peu relou. On peut afficher. Voilà. Alors notre attraction va à 28 mètres. Voilà. Quand même, c'est haut. Un petit peu haut. Pas si haut que ça, les attractions qui sont plus hautes, je l'avoue. Limite j'ai envie de faire quelque chose là, peut-être rester comme ça encore, non s'il te plaît, voilà, peut-être rester comme ça mais droit, voilà. Est-ce qu'il y a moyen là de tourner? Oui, il y aurait moyen de faire un truc, voilà, de le mettre droit. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, il y a moyen de faire un truc. Alors, c'est par là. On fait un grand virage par là. Voilà, comme ça, s'il vous plaît. Oui. Ah, comme ça. Ah, faut faire un truc droit, hein. Ah, c'est un bordel, hein, les attractions. Oh, punaise, c'est pas loin de chavirer. On va le mettre droit maintenant. J'ai demandé droit. Et on va... J'ai pas envie de le faire partir dans la terre. Alors, est-ce que déjà il avance? Ouais. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on le refasse un petit peu remonter. Et là, par contre, seulement jour, s'il vous plaît, qu'on fasse passer les visiteurs par-dessous. Genre ici, là. Par-dessous, je veux dire, c'est un peu mieux. Genre, on fait passer les visiteurs là. Voilà. Ou plutôt...
tout là où ça va être droit peut-être. Voilà, je garde la crémaillère même si c'est pas conseillé et je le sais. Voilà, maintenant on va lâcher la crémaillère. C'est parti. J'aime pas les attractions à sensations fortes, je l'avoue amplement. Oui, c'est de ce côté-là. On tourne. On va tout droit. On va tourner un petit peu. On va revenir par là. Voilà. On passe tout droit. On passe de l'autre côté. Ça va être un vrai bordel. Est-ce qu'on a moyen de finir automatiquement? Voilà, parce que j'aimerais pas trop me... Voilà, déjà on a un début. Est-ce qu'on aurait une fin, s'il vous plaît? On n'aurait pas de fin. Alors je vais essayer de le ramener au sol. Alors ça part assez loin, quand même, ça c'est grand, j'avoue. Mais on va faire une grande attraction et on va essayer de combler le vide avec des petits trucs et tout. Vous allez voir, ça va être bien. J'ai des idées. Déjà la truc, ça va. Bon, honnêtement, c'est tranquille, hein. C'est surtout une attraction, je pense, à faire, tu vois, en famille. Genre descente, je sais pas trop quoi. Moi ça me fait penser, bah, ensuite ça n'a aucun rapport parce que c'est pas avec de l'eau. Il y a une attraction que j'ai déjà faite dans le jeu qui est avec de l'eau. Ça me fait penser à une attraction qui est justement Opal. Voilà, je parle beaucoup d'Opal parce que c'est un parc que je visite beaucoup. Mais il y a une attraction, ça s'appelle la descente du Colorado, je crois, si je me souviens bien. Que je dise pas de conneries. Voilà, mais il me semble bien que c'est la descente du Colorado, si je m'en souviens bien. On va essayer de finir ça. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, il y a moyen. Voilà, on achève. Alors voilà, vous voyez que l'attraction est terminée. Et on a un gros vide. Alors ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement mettre des attractions, des commerces et tout à l'intérieur. Ouais, c'est une petite technique que j'ai déjà utilisée et c'est plutôt bien. Voilà. Alors, bon. Voilà. Ah merde. Je voulais pas mettre sur ce thème. Alors, est-ce que ça change? Non. Plutôt fantasy. T'as pas un truc un peu fantasy? Pirate, Tomahawk. Y a pas tellement de trucs fantasy, hein. Cowboy, un truc mort. On va mettre normal. Parce que ensuite, c'est pas très très beau le normal, je l'avoue, mais. On va juste faire un petit tour, les gens. Alors, on va juste la fermer. Technique, si vous voulez faire un tour, voilà, vous la fermez et vous la rouvrez. Ah, le moyen de bouger et tout, c'était quand même assez bien fait. Hein. Ah, c'est dommage quand même qu'on n'avait pas le Oculus Rift à cette époque-là. On aurait pu faire des choses bien. En même temps, je me demande si Planet Coaster est pas disponible avec l'Oculus Rift. Ça pourrait être bien. Ou avec l'HTC Vive. Ah oui, c'est que ça tourne. Ah oui, c'est réellement les... Ça me fait réellement penser à la... Ouais, c'est à la descente du Colorado, c'est ça. Je sais plus, je vous mettrai le nom. Parce que je suis même pas sûre que ce soit ça. Alors, on ressent pas trop les mouvements quand ça bouge, mais il y a quand même un petit peu de secousse. C'est quand même... Wow. J'ai rien vu à la fin. Alors, je sais pas si ça va être vite. Attends, est-ce qu'on a déjà je mets à zéro toutes les attractions parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Faible, extrême, extrême, les gens. Ouais, mais les gens vont y aller parce qu'il y a de l'intensité. Bon, il y a un peu de nausée. Voilà. Il y a extrêmement. Mais il n'y a pas énormément d'excitation. Alors, bon. On va dire que ça fait pas extrêmement peur. Ensuite, tu peux vomir, mais il y a des... Même les enfants iront dedans. C'est une attraction entre guillemets familiale. Voilà. Alors, est-ce que j'aurais pas moyen de baisser un peu la vitesse de la crémaillère, peut-être? Si je la mets à 9. Alors ensuite, c'est pas dit que ça marche. Hein. Encore une fois. Voyons voir. Je vais juste la faire tester vite. Allez, avance.
fais un test pour voir si ça marche avec peut-être une crémaillère un petit peu moins puissante. Même si normalement ça change rien. Oula, désolé pour le bruit. Ça ne change strictement rien. C'est cool. On va la mettre en test. On va juste mettre le temps normal. Voilà. Bien, tranquillou. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant placer la file d'attente. Que nous allons pas tout de suite customiser, mais voilà. Alors, on va faire une petite file d'attente à l'ancienne, comme on dit. Voilà, et on va mettre ça là, pourquoi pas, parce que sachant qu'il y aura des trucs à l'intérieur, alors moi je vois bien ça là. Alors, on va mettre un petit chemin devant quand même, parce que c'est. Ouais, on va mettre ça là. On va mettre un petit chemin. Voilà, plutôt. Formidial, comme on dit. Voilà. Hop. 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 Voilà un petit chemin. Qui va. Alors, est-ce que. Oui, ils ont moyen de passer par là, c'est cool. On va faire relier directement ici. S'il te plaît, voilà. Juste un chemin. On va mettre le chemin, parce que oui, il faut un chemin de la sortie ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire quelques petits customs. Alors, à très élevé, on est quand même un petit peu moins puissant quand la crémaillère est moins puissante quand même. Excitation, par contre, élevée. What ? J'y comprends plus rien, l'excitation est élevée maintenant, et ça, mais c'est bon, pas grave, on va voir si l'attraction est... Alors, moi, je vois bien un truc, justement, comme je vous ai dit, un peu en bois. Alors, ça, c'est quoi? La couleur de la voie. Alors, est-ce qu'on a moyen de faire un truc un peu marron? Marron, marron. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, genre, je regarde. C'est pas terrible hein. Ça c'est quoi ça? Ok, ça c'est ça. Ça c'est les rebords. Attendez, je veux tester un truc parce qu'il y a des couleurs qui vont bien. Jaune. Ah oui, non, ça c'est ça. Bah, jaune. Ouais, et en dessous, bleu. Ah merde, non, c'était ça le jaune justement. Et rouge. Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais que ces deux couleurs là vont super bien ensemble. Et je trouve que ça rend plutôt bien, moi je vous le dis. Alors comme ça. C'est pas mal. Alors là c'est quoi? Est-ce qu'on a différents wagons, les gens? Wow, ok. Ah oui, on a un wagon cobra. Ouais mais ça va pas avec ce que je veux faire, le cobra. On a un wagon... bizarre là. On a un nice wagon. Ok, ah ça pourrait être sympa le ice wagon, mais faudrait changer de couleur. Ça pourrait être sympa. Oh, je sais comment je vais appeler l'attraction, les gars. Je sais comment je vais appeler l'attraction. The Frozen, la reine des neiges. Oh là là. Alors on va voir si on a moyen de faire un thème un petit peu. On a moyen. On aurait moyen, je pense. Je suis. Non, je vais pas me mettre à chanter ça. Oui, alors. Ça, faut doser, je pense. Si je mets genre du blanc là. Alors, ça, c'est quoi ça? C'est la piste qui est blanche? Ouais, c'est la piste qui est blanche. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est ça. Alors, ça, je le vois bien en bleu. Mais un petit peu plus azul, peut-être. Ça rend bien, les gens. Moi, j'aime bien. Personnellement, ça me dérange pas. C'est cool, c'est joli. Choisir les couleurs des lumières et choisir les couleurs de la voiture. Bon, puisque c'est une voiture déjà entre guillemets sélectionnée, alors on va mettre le nombre de voitures. On va mettre 6 voitures, voilà. Parce qu'on peut mettre 6 voitures quand même. Les gens là, ils vont pas me dire qu'ils ont des problèmes. Maintenant, excitation faible, mais ça change tout le temps quoi. Il y a tout le temps des tests, ok. C'est bizarre. Passagers, 4 passagers par voiture. Finance 0, voilà. Alors, est-ce qu'on a une petite musique qui serait pas mal? Alors, le nom. Je sais pas pour vous, mais je vais l'appeler.
Ah, la couleur de la file d'attente, important avant. Ah oui, garde ton nom original, ça c'est oui, la couleur de la file d'attente. Alors, bleu, ouais, parce que faut rester quand même dans le truc. Alors, c'est quoi qui est bleu? Parce que moi je voudrais la ligne du milieu blanche. Ah, déjà, c'est pas ce que je veux. Du milieu blanche, voilà, ou cette ligne-là, peu importe. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça c'est la ligne du milieu. Voilà, et ben moi je vous propose ça. C'est très joli, c'est très beau. Ça va bien. Voilà. On peut toujours changer. Il y en a pas. Non, il n'y a pas de trucs comme je veux. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. The Frozen. L'attraction. Voilà. Alors, on va juste la renommer. Alors, la renommée, je mettrai la musique de la Reine des Neiges dedans. The Frozen. The Frozen. Comment on dit attraction? Coaster. Bah, coaster. The Frozen Coaster. Coaster. Voilà. The Frozen Coaster, voilà. Ah, les barrières aussi, c'est quelque chose de assez important quand même. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas eu un DLC genre neige et tout, ça aurait pu être sympa. On aurait fait des trucs sympas, je pense. J'ai pas de barrière tellement sympa. Je vais pas mettre ça parce que ça n'a aucun rapport avec le truc, même si ça. Et puis. Ok, y a... Les simples, vous allez me dire, les simples sont pas mal, hein. Pff, en mode safari, le truc. Wow, protection et tout là. Oula, je vois que je suis déjà à moins 18 de vidéo. Bon, pas grave, on continue, on continue. Alors, je vais m'éloigner un petit peu. Attendez, 5 secondes. Vous avez peut-être écouté même depuis tout à l'heure carrément mon petit bip-bip. Je n'ai pas remarqué. Bon, The Frozen Coaster. Voilà la truc. Ah merde, c'est pas marqué. Est-ce qu'on a moyen de changer de panneau? C'est une question. Non, bah, on va mettre quelques décors, voilà. Aujourd'hui, ça va être le premier coaster. Alors, on va mettre des décors. Alors, il n'y a pas tellement d'arbres. Alors, attends, on va enlever tout ça. Classique, non, pas classique. On regardait pas Safari. C'est pas une attraction ou peut-être plutôt. Il n'y a pas tellement de thèmes. On va dire là, t'as pas tellement de choses entre guillemets. Canon d'eau, ouais, pourquoi pas. Tiens, j'ai une idée avec les canons d'eau. Pour ceux qui sont déjà allés au. Je parle beaucoup du PAL, je sais, mais. C'est un parc que je visite souvent. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous avez peut-être déjà vu. Attends. Sérieux? Ah oui, ça se place sur les bords des chemins, ces trucs. Ces canons à eau, je les avais déjà vus dans un truc. Je sais plus quoi. Préhistorique lampe à huile atlantique, ça c'est pas mal pour comme lampadaire, ça va bien je trouve avec la Reine des Neiges. Ah non, c'est des lampes à huile. Ah mais ça va bien. Ah non, il y avait des c'était des lampes je crois, et c'est fait, voilà, c'était ça, des lampadaires stylor. Et ça c'était. Merde, j'ai fait une connerie. Oh là là. Oh là 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 là. Ça va pas, ça va pas. Voilà, ça se répare. Ah, par contre, les wagonnets, je vous mets en fermé parce que vous commencez à me casser les oreilles. Mais non, 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 non. Voilà. C'était. Ouf, c'était. Bah, c'était là. C'était. Non. Dans ça, et c'était lampadaire néon, ça peut rendre pas mal, ça fait un petit peu des cristaux.
Ça rend un petit peu Reine des Neiges. Moi, je trouve, hein, personnellement. Bon, on va juste. C'est des lampadaires de base. On va juste en mettre dans la. Dans la. Voilà. Voilà, on va juste voir la nuit. Comment c'est? Ouais, ça rend stylé, les gens, ça rend stylé, ça donne un petit effet sympa des familles. Un petit effet sympa. Voilà. Toujours cool. Voilà. On est chez Disney. Ouais, par contre, ça. Wow, ça t'éclaire la gueule. Par contre, c'est pas. C'est joli, mais ça fait bobo aux yeux. Voilà. Alors. Voilà, borne de passeport carrément. Poubelle, affichage de cristaux, truc, les poubelles. Bon, ensuite, il y a vraiment rien un peu sur tout ce qui est Reine des Neiges, etc. Ah, on pourrait faire une attraction Vaiana. Cavalier d'échecs, colonne antique. Il n'y a pas vraiment de trucs sur la glace. C'est ça qui est dommage. Il aurait pu y avoir des bons trucs. Ah bon, là, on a tous les trucs Space Mountain, mais ça faut pas le dire. Voilà, c'est un mode qui n'existe pas. Voilà. En parlant, lien du mode, hein, pour ceux que ça intéresse, dans la description, peut-être, si j'y pense. Je trouve pas de trucs bien intéressants qui pourraient faire un peu penser à la Reine des Neiges. On va pas mettre une attaque de T-Rex, hein, c'est quand même la Reine des Neiges. Voilà. Bon, bah, moi, ce que je vous propose, les gens, c'est qu'on se quitte sur ce coaster. Voilà. On rajoutera la suite après des arbres, etc. Voilà. Alors, on va ouvrir le coaster. Voilà, on va ouvrir le parc parce qu'on a une attraction. On ouvre, c'est parti. On va juste laisser un petit peu la foule entrer. Ouais, on a une famille, la première famille. Bah, deux familles. Voilà la famille, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une famille. Bien sûr, voilà, on a tout ça qui arrive. On a du monde dans le parc, on a du monde qui arrive. On est combien? 33 qui n'est. Ah oui, c'est les visiteurs. On est 50, allez, on essaie d'atteindre le 100 avant de se quitter. On va voir s'ils vont rentrer. Oh, il y a déjà des gens! Ah non, c'est l'inspecteur! L'inspecteur! Eh, ça rend stylé, n'empêche les néons, même si ça fait assez mal aux yeux la nuit, mais sinon ça rend stylé. Allez, 71 visiteurs, est-ce que. Ah merde, non, je croyais qu'il y avait des gens qui rentraient dans mon attraction. Mais non. Je ne vois personne. Quel dommage. Bon bah. Allez, 100 personnes. On attaque les 100 personnes. Si au niveau de 100 personnes, il n'y a toujours personne dans l'attraction. Et re les gens. Alors, désolé. Petit bug. Il y a deux personnes qui rentrent dans l'attraction. Voilà, on va juste se quitter là-dessus. C'est parti. Hop. On va monter avec eux. C'est parti. On rentre. Ah bah, on est déjà dans une caméra. Qu'est-ce donc que ceci? Je voulais être dans un wagon, moi. Le premier, si c'est possible. Merde, bah, je ne suis pas du tout dans le premier wagon. Attendez, un wagon part. Oh là là. Ah, c'est bon. On est en train de partir. Oh, t'as déjà peur. Quand même, j'avoue que les graphismes sont un peu dégueulasses au niveau des personnages. Mais ils avaient fait du bon boulot, hein, quand même. Sur ce roller coaster tycoon. Bon, maintenant on peut voir avec Planet Coaster quand même. L'attention, c'est parti! Ça descend! Oula, il a envie de vomir, il a envie de vomir. Il a peur. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Ça fait même un peu tourner la tête, je vous l'avoue. Tournez la tête, tournez la tête, Voilà. Bon bah à plus tout le monde, ciao ciao, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo si vous avez aimé. Allez, à plus!